qui nous vient de Kevne Pafao. Il y avait un hippodrome avant, on s'en souvient. Hippodrome de plat, hippodrome d'obstacle aussi. Il fallait bien tourner quand même à Kevne Pafao. Mais c'était sympa, et ça a été fermé malheureusement. Les courses ont lieu à plein des ans. C'est un fils de Nelulu, qui nous est donc proposé par Jacques Provost. Il est né le 10 juin, très tardivement. Hein. Très très tard, il est né ce poulain, malgré ça il a de la taille. Kizira la mère a gagné à 1000 sur le coin. Il faut bien tourner aussi à 1000 sur le coin. Elle a gagné à Jocelyn. Et ce qui est amusant de remarquer dans cette famille, c'est que vous avez un cheval dont tout le monde se souvient. Sous la deuxième mère, c'est Torrens, entraîné par Éric Leray, qui a vraiment été un cheval mémorable, un magnifique cheval, qui enchaînait les succès de façon très impressionnante sous la selle d'Alexroussel pour la plupart des fois, vainqueur du prix de l'avenir, entre autres, gagnant aussi un obstacle. Marchez, marchez. C'est pas beau de se moquer. Est-ce qu'on peut marcher avec un peu plus d'énergie? C'est possible. Mais vous n'avez personne pour vous aider pour pousser, c'est pas facile. Allez, que le pousseur pousse. C'est très important de marcher avec énergie, hein, j'insiste, mais bon, c'est par rapport au jury, c'est très important que les chevaux se montrent de façon. Voilà, il est bien plus gros comme ça. On va aller au trot. Thomas, son oncle était déjà un...